Kamakura. Tout ça faisait partie du Yamatai. Je veux juste récupérer le sac. C'est tout. Ça y est. Bon, il faut que je rapporte ça à Ross. Je vais te remettre sur pied. C'est pas mal. Où est-ce qu'une jeune fille comme toi a appris à faire des bandages? J'ai pas mal bossé comme serveuse de nuit. Les bagarres, ça finit souvent comme ça. Hé, hey, tu l'as retrouvée. Bien joué. Alors, il va falloir la porter en haut de la tour radio, c'est ça? C'est le meilleur moyen de diffuser un signal puissant dans toutes les directions. Écoute, Lara, il faut qu'on envoie ce SOS. Mais je ne suis pas en état de grimper. J'avais peur que tu me dises un truc comme ça. Tu peux le faire, Lara.
Après tout, tu es une Croft. Mais je ne suis pas ce genre de Croft. Bien sûr que si. Mais tu ne le sais pas encore. J'espère pour nous que tu as raison. Mais... sois prudente, Lara. Envoyer un SOS depuis une vieille tour radio. Une idée? Tu vas devoir trouver la console de communication. Ça ressemble à un vieux standard téléphonique. D'accord. Je te rappelle dès que je la trouve. Je vous en prie! Ne faites pas ça! J'ai un mauvais pressentiment.
Crois-moi, Reyes, c'est mécanique, c'est pas un problème électrique. Maintenant, Alex. C'est pas... Ok, peut-être que c'est un problème électrique. Non, tu crois? Ah. Bonjour. Qui est cette demoiselle? Elle est mignonne, hein? Ah, plutôt, ouais. Oui, c'est Alisha. Alisha? C'est ma fille. Oh. Elle a 14 ans. Et elle est plus débrouillarde que toi. Elle doit tenir ça de son père. Fais pas attention à lui. Et oui. Je vais aller voir ça. C'est un problème électrique. Elle tient de son père. Pas mal. Donc j'étais sur le lac, pour une partie de pêche nocturne. Hé, Grim, c'est l'heure de fermer les écouteilles. J'arrive tout de suite. Donc j'étais sur le lac. Et cette chose arrive vers moi, et commence à sortir de l'eau. Alors je lui ai mis un coup de boule, vous voyez. Je vous assure que 9 fois sur 10, ça marche. J'ai eu mal au crâne pendant une semaine, et j'ai pas bu une goutte depuis. À tout à l'heure, Sam. Ok, on peut refaire une prise, s'il vous plaît? Merci. Docteur Whitman, séquence 15, prise 3, et action. Alors, vous le tenez bien, et vous lui ouvrez le ventre, comme ça. Ouais, mais il faut... C'est pas vrai. Coupez! 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 Il va revenir? Je vais le chercher. L'archéologue mondialement connu. Et je peux vous dire... L'archéologue de renommée mondiale, le docteur Whitman. Ce n'est qu'un poisson. Je sais que ce n'est qu'un poisson. Tout va bien se passer. Cette fichue télé-réalité, je ne m'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens, Sam. Pas cuisiner. Sans vouloir vous vexer. Le public veut voir des choses, docteur Whitman. Vous le savez. Et en attendant de trouver le royaume perdu, nous n'avons pas vraiment le choix. Allez, on reprend au début, d'accord? On s'arrangera au montage, vous aurez l'air d'un vrai chef, vous verrez. Docteur James Whitman, séquence 15, prise 4, action. Alors, tenez-le fermement et tranchez-lui le ventre. Comme ça. J'ai tellement étudié ces cartes que je les vois encore quand je ferme les yeux. Et si jamais le Yamata ne se trouvait pas dans le triangle du dragon? Je me souviens du jour où t'as trouvé ça sur un chantier. T'as couru pour venir me le montrer dans ton pyjama à pingouin. J'avais tout juste 5 ans, c'était mon premier trésor. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui, il ne fonctionnait qu'à l'instinct. Au risque de se tromper. Il aurait été très fier de toi, Lara. La tempête n'est plus très loin. Allez, ne t'inquiète pas. On s'en sortira. Ok, Lara. C'est pas le moment de faiblir. Tout le monde compte sur toi. Oh!
bunker. Seconde guerre mondiale. Probablement japonais. Ça gèle. Cette vitre n'a pas l'air solide. T'as nulle part où aller, ma jolie!
J'espère Mathias nous libérera. De quoi? De cette île? Alex, tu es là? Oui. La console est fichue. Merde. Bon, alors il va falloir passer au plan B. Tu vas devoir brancher l'émetteur directement sur le panneau de maintenance. Ok, ça a l'air plutôt faisable. Ouais, mais... Et il va déjà falloir que tu le trouves. Sur ces vieilles tours, ces panneaux sont installés en haut. Enfin, du genre, tout en haut. Encore de l'escalade. Génial. J'espère que ça marchera après tout ça. Ils sont...
Dégagez de là! Elle est à moi! Continue de gaspiller tes...
Lara. Je suis devant le panneau. Ok. La tour devrait renforcer le signal de l'émetteur. Ok. Ensuite, trouve le canal d'urgence. Et essaie d'avoir un signal clair sur ta radio avant de diffuser le SOS. Hé. Tu sais qu'on croise tous les doigts pour toi ici. Merci. Mayday, Mayday! Ici Lara Croft, de l'Endurance. Nous avons fait naufrage sur une île dans le Triangle du Dragon. Nous avons besoin d'aide en urgence, répondez! Répondez? Allez! Mayday, Mayday! Ici Lara Croft, de l'Endurance. Ici l'avion November 177 Alpha. Nous cherchons depuis le signal de détresse lancé de votre navire. On commençait à perdre espoir. Nous aussi. On a votre position approximative, mais il nous faudrait un signal visuel. Ok, je peux faire ça pour vous. On se dirige vers vous. Allez. Lara Croft, t'es incroyable. Hé, hey, Reyes a même esquissé un sourire. Bon, il faut un signal. Enfin, de l'essence, des flammes, je peux y arriver. Voilà un bon moyen de descendre.